Et salut à tous les amis, on se retrouve sur The Last of Us, le DLC, où la fois dernière on avait mis en place un petit peu le DLC, donc on avait un petit peu échappé avec Riley, plein de trucs, on avait fait partie Riley. Elle a l'air d'assommer Joël, donc il nous faut toujours de quoi suturer Joël, et on a dû chercher de l'essence, et on va allumer le générateur, et on va voir ce que ça va faire. Voilà, allumé. En fait, il fallait ça pour ouvrir la porte. Ok, maintenant, tu as de l'essence, tu vas pouvoir démarrer. On y va. Ok. Wow. Bon, c'est noté. On touche pas l'eau électrifiée. Pigé. Ah. Et on fait comment? Ah mais maintenant bah c'est ouvert ici. Ah bah oui, maintenant c'est ouvert. Il y avait quoi ici? Oh, un petit peu pour faire des explosifs. Est-ce qu'on peut se crafter quelques trucs? Genre un kit? Non. Apparemment, on peut faire ça. Ouais non, on s'en fout. Allez, on y va. Merci bien. Ah oui, ok, ouais. Faut passer vraiment au-dessus. On va allumer. Un petit pas à l'eau. Regarde devant toi. C'est bien. Tout va bien se passer. Tu vas pas tomber dans l'eau et te faire électrocuter. C'est bien ici. C'est pas les bons boutons. Ok. C'est pas électrifié. Ah, on a le choix. On a le choix ou pas du tout? Ah, c'est des garages. Ah, il faut ça. Ah. On va te sortir. Qu'est-ce qu'il faut faire avec toi? Faut l'ouvrir aussi un truc? Déjà pas de screamer, c'est cool. Ok, vu. Ah ok, j'ai. Je n'ai plus de ça. Bonjour chariot. Ça va retenir le truc. Voilà. Pas trop tôt, pas trop tôt. Doucement, Ellie, doucement. Ah, au-dessus. Ah, il faut monter là. Non, il faut descendre ici. Ok. Ok. Ouais, je vous entends. Ouais. Par contre, je vous vois pas. Ah oui, ah, il y a du monde. Et toi, hein? Là, c'est un claqueur, faut faire attention. Passer par là.
Il y a des claqueurs, mais pas que. Fais attention. Ah oui, ok, ouais. Ah, que c'est radical. Ouais. Bon, toi, tu me vois pas. On va aller sur la patience. Et de 1. On va se mettre ici, on va attendre qu'il passe. Et dès qu'il passe, on le chope. Quoi? Il y avait couteau. Mais non. Ouais, dès qu'on est chopé par eux, c'est fini, quoi. Voilà. Ok. Bon, ici c'est bon. C'est le claqueur qui me fait peur. Sur combien encore là? 3. Il y a un claqueur et deux rôdeurs. Viens pas voir. Toi non. On avance doucement avec ça. Voilà. Et voilà. Allez. Allez. Ok. Hélicoptère. Retour à la case départ. Ouais. Ah quoi?
Ah ouais, ok. À mon avis, il faut les buter avant. Ouais, je pense qu'il faudra les buter avant. Ok, ils sont pas beaucoup. Ils sont deux. C'est deux claqueurs. On va s'en faire un. Y a rien par ici. Mec, il arrête de bouger. Toujours le même tour. Quoi? Mais j'étais que deux. Faut vraiment que je me fasse les claqueurs discretos. Parce que quand je vois dans le radar, il n'y en a que deux. Bah oui. Ok, j'ai quand même une balle moi. Déjà, on va recharger ça. On va attendre. On pousse. Et qu'on court. Ah, t'es mort. Toi, t'es mort. Ok. Y a pas des munitions? Ils étaient 4, mais qu'ils viennent tous les 4 sur toi, on marche des vitres. Tranquille, ok. Oh merde. Ok, du calme. C'est parti. Oh. Doucement, Ellie. C'est bon. La question de perdre. Ok. T'es prête? Ah, allez. Calme. Wow, c'est pour de vrai? Pour de vrai. On était passé au-dessus, on était au-dessus ici. Attends, les soldats vont voir la lumière dans le centre commercial, non? Non, les lumières extérieures marchent pas. Comment tu le sais? C'est cette Luciole, Mélanie, qui m'en a parlé. Ça on va l'aimer. Tu veux essayer? Bah ouais. Ah, on peut se mettre dessus, ok. Ok. Ouais!
Bien accroché. Qu'est-ce qu'on fait là? Mais il fonctionne encore. Oh hein. Riley, viens là. Non, tu t'en sors très bien. C'est pas croyable, c'est trop mortel. Ah oh, ouais. Oh, c'est sympa. Hein. On peut pas descendre. Allez, viens, viens là, monte sur celui-là. Allez, j'arrive, attends. Non, 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 non. Oh non, non. Allez, je viens de monter. Ah, c'est nul. J'ai adoré. Et j'assume. Oh, j'ai trouvé autre chose. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un cercle pourrait bien dire à un triangle? Oh, qu'est-ce que c'est? Tu tournes pas rond. Putain, t'as trouvé un livre de blagues! Sais-tu quel est le plat préféré des cannibales? Les croque-monsieur. Pas mal. On l'a connu. Pas mal. Je te le donne. Mais avec ça, on redevient amis pour la vie, tu sais. Je dis ça comme ça. Je prends le risque. Je dis ça comme ça. Ok. Ok. Ok, t'es prête? J'écoute. Blague. Quand deux cacahuètes s'en vont au resto, la note est salée. Ah non. Je me marre. Un œuf dur, c'est bien galère à battre le matin. C'est très drôle. Si, c'est drôle. J'ai commencé un livre sur la pesanteur et c'est impossible de le reposer. Ouais. Ouais, celle-là le déchire. Qu'est-ce qui rapproche un facteur et un jongleur? Ils ont tous les deux énormément d'adresse. Oh, allez, ouais, on y va. Je mets ça de côté. Eh, merci pour le quart d'heure de gloire. Y'a pas de quoi. On part où? Un photomaton. Il faut trop qu'on le fasse. On y va. Comment ça marche? Il doit suffire de suivre les instructions. Il me semble. Tu veux que je le fasse? Non. Tu sais quoi? Fais-toi plaisir. Et comment c'est? C'est parti. Amitié, amour... Amitié, quoi. On va essayer amitié. Oh, c'est trop mignon. Je suis la grenouille. Tu peux pas choisir de personnage. Toi, t'es le lapin. Modifier le thème. Revenons en arrière. Ah non, ok. On retourne à amitié. Voilà ma grenouille. Je vais prendre la grenouille. Oh, ok, souris. Là, plus près, ok. Non, pas d'oreille de lapin. Ok, on fait très peur. Dépêche. Oh, on fait une grimace, ok. Face de raie. Ok, on va faire une grimace. Ok. Allez, on est sexy. Trop sexy. Oh, c'est fini. Ah. Ok. Oh, elles sont géniales. C'est quoi Facebook? Genre, ça imprime ta tête dans un livre? C'est vrai qu'ils connaissent pas. C'est vrai qu'ils connaissent pas. Entrée nom d'utilisateur. Oh, j'ai fait quoi? Bah, mais n'importe quoi. Tape ton nom, un truc du genre. Ok. Et c'est un parti. Peu grand, Ellie. Ah, ça partage. Aucune connexion internet. Et ça veut dire? Imprimé. Je rêve, ça va vraiment marcher, j'hallucine. C'est clair. Fais rêver. Ok. Oh, fais chier, ça me saoule. Peut-être ton... tapant... Erreur. Dessus. Oh non.
qu'on a fait? Je crois qu'on l'a cassé. Oui, c'est possible. Donc... Mouah. On reprend les recherches? Carrément. Ok. La garde de 6 heures commence dans 10 minutes. Tous les citoyens ont écrit doivent prendre leur poste. Je hais cette pauvre fille. Elle insiste pour se faire détester ou quoi? Carrément. Moi, je ferai comme ça. Attention. La garde de 6 heures commence dans 10 minutes. Ok, à mon tour. Tout citoyen doit être muni en permanence d'une pièce d'identité valide. Dénoncez tout individu suspect à l'administrateur de zone le plus proche. Vigilance. Agissez pour sauver des vies. Ouais, ce serait carrément mieux. Je descends. Galère à monter sur un tapis volant. Quoi. Et j'ai pas l'habitude non plus. Hein. Oh putain, c'est dingue! Raja Arcade. Elle voulait pas jouer à un jeu vidéo, Ellie? Ah. Non, me dis pas qu'il est foutu. Ouais, et bien foutu. L'espace d'une seconde, j'ai cru que j'allais jouer. Tu peux jouer. Comment? Ok, viens là. Ferme les yeux. Fais-le. Ok. Bouge avec ça. La coup de poing, la coup de pied, et contre avec ça. Ok. Mais choisis d'abord ton personnage. Tu vas incarner l'impitoyable, redoutable et très magnifique Angel Knives. Et je suis censée tout imaginer? Ferme les yeux. Ok, pardon. Elle est tout près du Temple des Ombres. Un bâtiment mystique et ancestral où ont lieu les tournois des immortels. Ton adversaire, Black Fang, sort du temple. C'est un gars blanc ultra baraque, avec trois bras. Son but, c'est de te faire la peau. La musique part et il se met en position de combat. T'es prête? Vas-y, envoie. Manche 1, go. What? On va en jouer? Il se précipite sur toi. Il t'envoie un double coup de poing dans la face. Saute! Maintenant, il t'a dépassé. Tu atterris derrière lui. Frappe-le dans le dos. Ah, c'est génial! Bon gros coup de coude et il perd genre 15% de santé. Oui! Il se retourne et revient avec son attaque de la griffe fatale. Qu'est-ce que je fais? Maintien gauche et contre pour parer. Tu soulèves les coudes juste quand il fait son combo. Tu recules, mais t'es pas blessé. Le dernier contre lui fait perdre l'équilibre. Il peut se relever à tout moment. Contre-attaque avec une ascension divine. Il t'a coupé! Il t'a eu combo pour sortir. Fais haut, barre et pied pour une charge de lame. Parle. Tu le tiens. Bas, avant, point pour le coup spécial. T'arrives, ouais, toi. Défonce-le. T'arrives, ce jeu. L'écran s'assombrit. Les larmes d'Angel Knives scintillent. Elle lui transperce la poitrine encore et encore, jusqu'à ce que son cœur jaillisse dans les airs.
Elle se met en position et lance un coup de pied qui lui arrache la tête. Un geyser de sang recouvre toute la surface de combat. Oh, cool! Ultra kill dans ta face. Angel Knives lève le poing en l'air. Encore gagné. Yes, tu m'étonnes! Pas mal pour une première fois. Alors? Je te sens pas. T'as adoré. Ouais, ok, j'avoue. T'as entendu? Eh, tu sais, on devrait rentrer. Moi, il faut que je rentre. T'as largement le temps. Riley, écoute, j'ai vraiment plus le droit à l'erreur là-bas. Demain, on reprendra là où on s'est arrêté. Je peux pas. Bon. Ben, un autre jour alors. Ok, la Luciole, alors quand? Ils m'ont demandé de partir. Partir d'où? De Boston. Je dois rejoindre un groupe dans une autre ville. Je leur ai bien dit que je voulais rester ici. Mais tu sais comment est Marlène. Rien n'est simple avec elle. Elle veut me tester. Ils viennent me chercher demain. Ok. C'est tout? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas, t'as pas des conseils d'amis? Je suis sérieuse. Pourquoi tu m'as fait venir ici? J'avais envie de te voir. Non, pourquoi tu m'as fait venir ici? Je sais pas. Je sais pas. Tu veux un conseil? Vas-y. Allez, on n'a qu'à se dire au revoir. Je vais aller voir d'où vient cette musique. Riley! Riley! Oh, fais chier. Mais où elle est passée? Riley! Allez. Riley! On suit la musique. Après, il n'y a pas 3 millions de chemins. Hein. J'aime pas trop cet endroit. Alors... Où est Riley? Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Oula. T'as déjà vu un truc pareil? La discussion est close? Je sais pas, à ton avis? T'as pas le droit de m'en vouloir, Riley. C'est moi qui dois t'en vouloir. Pourquoi? Parce que je t'ai demandé ton avis? Non mais attends, depuis quand mon avis t'intéresse? On était potes! On était vraiment potes, mais t'as fini par m'envoyer chier, et après ça, t'as disparu! Toute cette journée. Tu te sens coupable? Tu veux te défiler? Vas-y, je te retiens pas. Je suis censée être en planque à l'autre bout de la ville. Si je me fais prendre en tant que Luciole, je suis morte. C'est pas la culpabilité qui m'a fait traverser une ville pleine de soldats, Ellie. Et oui, j'ai fait des choses que j'ignore comment réparer, mais... J'essaie. En parlant de ça... Ces fameux pistolets à eau dont tu rêvais. J'ai failli me faire tuer pour les avoir. Surprise. Mmh. Pas mal. Ok. D'abord, je vais te laminer. Et après, on parlera.
Prépare-toi à prendre une douche. À nous deux, la luciole. On fait dans sa culotte ? Tu vas regretter, ma grande. T'en reveux ? Allez. On va recharger. Ouais, ça t'a plu ? Ok. Prends ça, Riley ! Tu vas regretter, ma grande. Explosé ! Je t'avais dit. C'était presque bon. Quoi ? Ouais. Mais t'hallucines. Ok, d'accord. Compte jusqu'à 5, je vais me cacher et on doit se trouver. La première qui se fait prendre a perdu. D'accord. Ferme les yeux. 1, 2, 3, 4, 5. T'es prête ? Déjà, on va recharger notre pistolet. Ah, je l'ai vu, mais... On a esquivé. Merde. Voilà, je gagne. Allez, on le joue en 3 manches. On recommence. Si tu veux. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vas mourir. Vu. C'est pas mal ce jeu. Oh, oh zut. Oh mince. Mais qu'est-ce que j'ai fait? T'as vu ce talent okay. pur? Faudrait te résoudre à rendre ta plaque. Waouh. Mais c'est vraiment méchant. Allez, on est reparti. Riley... J'adorerais rester avec toi. Mais tu dois y retourner. Voilà, tu es un peu de Marlène, ouais. Marlène Junior. Ok. Bien. Je peux au moins te raccompagner ? Mais oui. Attends, je vais juste chercher mon sac. Et au fait... Je l'ai dit méchamment, mais je le pensais vraiment. Tu devrais y aller. Je veux dire, c'est quelque chose dont tu rêves depuis... Enfin... Depuis toujours, alors... Qui je suis pour t'en empêcher ? T'es la seule à le pouvoir. Non, je t'en prie, n'y va pas. Qu'est-ce que je vais devenir sans toi ? Je vais m'en sortir. Et toi aussi. Et on se reverra bientôt. Tu devrais les garder. Ça ne me servira pas à grand-chose. Tu trimbales toujours ton baladeur ? Ouais. Fais voir.
savais bien que j'avais déjà vu quelque part. La cassette que tu m'as donnée. Qu'est-ce que tu deviendrais sans moi, franchement. La ferme. Laisse ça, suis-moi. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vas pas? Sérieuse, viens par là. Allez, ramène-toi. C'est débile. Allez. Ok, ça me... Allez! Qu'est-ce qu'il y a? Hé! Hey, qu'est-ce que t'as? T'en vas pas. Eh oui! Marlène va pas trop. Attends ici. Ouais, la musique. Oula. On va changer. Joël. Ok. T'as un petit peu endormi, hein, le froid. Comme ça, vous voyez. Ok, bon bah voilà, on va se laisser là. Ça commence à chauffer pour Riley et Ellie. Si vous savez pas, Ellie était bi. Enfin, elle est, non. Elle est pour les filles, hein, elle n'est pas bi, elle est juste pour les filles. Et voilà, donc je sais bien que ça avait critiqué beaucoup quand on avait vu un trailer de The Last of Us 2 où on voit qu'Ellie embrasse une fille. Ça avait fait ouais, Ellie elle est pas gay et tout. Bah, si on le sait, si on a fait le DLC quoi, donc voilà, ça commence un petit peu à chauffer et ben là on est reparti avec Ellie, on va dire du présent entre guillemets, et on va devoir aller aider notre ami Joël. Bon, moi je vous laisse bien là. On se retrouve pour l'épisode 3 à la fois prochaine. On se dit à la prochaine. Bye bye.